de nous deux et de trop dans cette ville. Ah ouais? Qui ça? Maintenant, découvrons ensemble la bande-annonce du film qui va tenir la France en haleine pendant 6 mois. Regardez. Il est vieux. Il est à 6 jours de la retraite. Son seul objectif, ne pas prendre de coups. Voici votre nouveau coéquipier. Oh non! Il est fou. Hanté par l'échec. Personne ne veut plus travailler avec lui, mais il doit faire équipe. Appel à toutes les voitures. Un groupuscule d'extrême droite est en train de piller notre électorat. Terminé. On arrive! On va leur péter la gueule! Enfin, arrêtez, voyons! On va rentrer, dormir, bien réfléchir, et demain nous verrons. Ta gueule! On va les flinguer tous! Après 1981-1988, retrouvez le duo de choc dans L'Arme Fatale 3. Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, dans L'Arme Fatale 3. Et Raymond Barre. Chez moi. Oh, regarde! Qu'est-ce qu'il est mignon! Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends pas. Tu ne veux vraiment pas manger? Peut-être qu'il a soif. Tu veux jouer? Il a l'air tout perdu. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Maman, on peut le garder un peu? Oh oui! Non, il faut le ramener. Il a sûrement été chez lui. Oui, mais où? Big Bang. Sans transition télévision, les chaînes préparent la rentrée. C'était ce matin dans les locaux de Canal+. Regardez. Tout le monde est là. Mes amis, c'est formidable. Aujourd'hui, mon cœur est plein de joie et de reconnaissance pour tout ce qui a été fait. Merde, c'est pas vrai, ça. Ginola, l'Atletico. Merde. Excusez-moi, mais... Merde. Michel, ne dis pas de gros mots sous mon toit. Garde ça pour tes stades. Mes amis, vous êtes tous formidables. Mais... Je suis fatigué. Je veux passer la main. Oh. Ça y est, ça y est. Et j'ai choisi... Ce sera... Bonaldi. Oula. Mais, Philippe, c'est pas juste. C'est pas juste. Depuis des années, je suis le second, je connais toute la machine. C'est pas juste. Antoine, tu es comme mon fils. Tu es mon préféré. Tu es formidable. Mais ne crie pas dans ma maison. Alain, dis-lui, toi. Mais Antoine, le froid, c'est moins fou. Mais Bonaldi, c'est... Il s'est même pas lancé de saucisse. J'en ai marre, moi, je vais finir par changer de famille. Tu m'entends? Je vais changer de famille. Antoine, ne laisse pas ton cœur parler avec colère. Nous sommes ta famille. Pour la vie. Ne me menace pas. Tu es sous mon toit. Prends des vacances. Je me vengerai. J'irai sur TF1 et je vous écrabouillerai. Tous. Allez, Antoine, c'est le moment d'y aller. Salaud, tu m'avais promis. Hein? Quoi? C'est rien, je répète un truc. T'es crevé, toi, hein? Tu devrais prendre des vacances, petit scarabée, hein? Le café, moi, c'est obligé. Ah ouais, court, sans sucre, comme ça. Juste le goût. Pareil, comme toi. Le 16, c'est là. On est un peu en avance. T'es déjà allé aux États-Unis? C'est de la pisse de chat, leur kawa. De la pisse de chat, je te jure.
Oh, dingue, ça. Le truc bien, c'est qu'ils te reservent gratuit tant que t'en veux. Tu payes pour deux cafés et t'en bois tant que tu veux. Dingue, ça. Ils sont combien là-dedans? Deux ou trois. Ils attendent Edouard. Putain, c'est des boules pendant qu'on bosse, t'imagines? Dingue, ça. Ça m'est déjà arrivé, avec Chaban. Putain, y a Giscard qui déboule, moi je suis en train de flinguer l'asperge. L'autre, il se pointe, la gueule de Chaban. Sauve-moi! Et le crâne d'œuf, la bouche ouverte, envoyé son slip. Et l'autre, des yeux de perdu. Oh, tu l'as eu quand même, hein? Chaban, ouais. Mais le vieux, 7 ans je l'ai attendu. Bon, allez, on y va, c'est pile poil l'heure. Salut les gars, ça va? On est de passage. On vient prendre des nouvelles de nos copains d'Edouard qu'on a. Vous n'avez pas le droit, je vais... T'es pas causé, toi. Non, non, non. Faites-moi confiance. Edouard ira pas. Je vous assure, il ira pas. Je le connais bien. C'est pas la peine de vous énerver. Je vous jure qu'il ira pas. Faites-moi confiance. C'est dingue, ça. Oh, c'est un putain de miracle, hein. Ah, putain, tu veux que je te dise, Philippe? Quoi? Ça fait 20 ans que je fais ce boulot, et ça me fait encore marrer. Dingue, ça. Je m'appelle François. François Léotard. Je suis né à Cannes. Votre fils est différent, madame. Différent? Je vais vous montrer. Votre fils est... là. Neuneu. C'est quoi, maman, neuneu? Après, je suis allé à l'école. Dieu est amoureux, Dieu est parmi nous. Il est dans nous, il est partout. J'ai même rencontré le président de la République. Bonjour. Bonjour, je m'appelle François. François Léotard. Vous pouvez me dire où est le président de la République? J'ai aussi rencontré un autre monsieur, très sympathique. Bonjour, comment ça va? Ah, vous, je vous ai vu à la télé. Alors du coup, il m'a mis ministre de la télé, et du cinéma, et du théâtre. Après, j'ai même rencontré encore le président de la République, mais un autre. Très gentil aussi. Je m'appelle François! François Léotard! Alors, du coup, lui, il m'a mis chef de l'armée, chef des bateaux, chef des avions, chef des supercoptères et chef des chars. Et des fois, j'ai même le droit de conduire. Vous ne verrez plus le monde de la même façon quand vous l'aurez vu avec les yeux d'un neuneu. François Léotard. François Léotard? Je note. Restez digne. Respectez les convenances. Prenez du recul. Et surtout, ne laissez pas les électeurs vous écarter du pouvoir. Ne laissez pas les électeurs vous écarter du pouvoir! Choisir un parti. Choisir un programme. Choisir la puissance. Choisir l'immunité. Choisir l'influence, choisir de nommer, choisir de révoquer, choisir de choisir. Pourquoi j'ai choisi tout ça? Pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. Qui a besoin de raison avec le pouvoir? Nicolas, un fixe, vite. Tout de suite, si vous voulez bien signer, monsieur le président de la République. C'était lui. Il avait la puissance et un calme qui foutait les jetons. J'avais du respect pour le bonhomme. Il m'avait sorti de la merde. Une belle merde. Je travaillais pour une bande de boulogne
les sadiques venus du bâtiment. Ils te mettent les pieds dans le béton pour un peu de travers. J'étais parti avant. Le boss, il m'avait recueilli comme un fils. Il m'avait donné un beau karaoké. Il avait beau être correct, le patron, mon tata fallait toujours chialer pour avoir 3 ronds. Il aimait pas la musique. Ils ont trouvé toujours un accord. Il y avait tellement de pognon qu'on avait la tête qui tournait. Le principe, il est simple. Ton boulot, c'est de faire des émissions de télé. Tout le monde se fout de savoir combien elles coûtent. Toutes les semaines, tu portes la cassette. Tu demandes pas ce qu'ils foutent avec. Personne ne pose de questions sur rien. Tu prends le fric. Tout le monde se sert de toute façon. Le plus drôle, c'est que c'est légal. I'm sorry. So sorry. Jean-Luc, c'était notre maître. La moitié de ce chiffre d'affaires en salaire. Un génie, quoi. I didn't know. Love could... Parfois, je me disais que ça ne durerait pas, qu'un jour, quelqu'un allait dire « Stop, c'est la télé publique, les gars !» Et puis non, rien. Chaque année, il y avait plus de fric. Des sacs entiers. Parfois, j'avais le vertige. On n'arrivait pas à compter les zéros. La pub, la redevance, la défiscalisation a été roi du pétrole. Et des fois, j'étais curé. Même en bouffant des lingots d'or au petit-déj, on n'aurait pas pu dépenser tout ce fric. Non, vraiment, faut qu'on vous dise merci. Ouais, vraiment, vous êtes archi sympa. Vous ne dites rien, vous envoyez l'argent. Non, vraiment, sympa. En plus, vous regardez même pas. Non, vraiment, c'est très bien, la télé publique. Ah ouais, très bien. Nous, en tout cas, on est très contents de la télé publique. Ouais. John Rambo rentrait d'Irak. Il ne voulait poser de problème à personne. Salut. Salut. Tu reviens d'Irak? Ouais. Tu comptes t'arrêter dans ma ville? Je sais pas. Tu vas vers où? Je sais pas, vers le nord. Bah, si tu veux, je peux t'avancer. Monte. Non, merci. Monte, je te dis. Il désirait simplement s'arrêter en ville pour manger un morceau avant de repartir. On s'arrête pas? Ben, tu sais, on n'aime pas tellement les gens de ton espèce par ici. Le mieux, c'est que tu continues ton chemin et que tu mettes pas les pieds dans ma ville. Seulement, un homme en avait décidé autrement. On n'aime pas les vagabonds. Allez, salut. T'as pas compris? On veut pas de toi ici. Je vais où je veux. Mais le shérif ignorait où il mettait les pieds. Tu fais demi-tour, enfoiré! Aïe, mais t'es con! Tu m'as fait mal! Oh, ben pardon. T'es méchant! Me tape pas, pitié! Mais je sais pas me battre! Mais dis donc, t'es une vraie gonzesse, toi! Je croyais que t'avais fait la guerre. Mais non! J'étais en Irak, moi, je ne suis pas battu! J'étais dans un char, on voyait rien. Les B-52, ils rasaient tout. J'ai pas vu un Irakien, moi! Ah, puis crotte à la fin, doucement, quoi. Rambo 4, il revient d'Irak et il ne sait pas se battre. Je te préviens, si tu me touches encore, je hurle très fort. Ah ! Après Speed 1, où un bus chargé d'explosifs ne peut pas descendre en dessous de 100 km/h, sinon il explose. Après Speed 2, où un bateau bourré d'explosifs ne peut pas descendre en dessous de 80 km/h, sinon il explose. Voici Speed 3, encore plus spectaculaire. Un bus chargé de colza. Un otage au bout du rouleau. Allez, chauffeur, appuie sur le champignon, direction Montargis. Des populations terrorisées. Ce soir, sur la place du village, grande réunion électorale de François Bayrou. Venez nombreux soutenir la France humaine. Un suspense insoutenable. Bien sûr. Chalon-sur-Saône, c'est à gauche ou à droite? Des dialogues, une violence inouïe. Votez François.
François Bayrou. Et des cascades à couper le souffle. Attention, un dos d'âne. Plus fort que Speed 1, plus spectaculaire que Speed 2, ne ratez pas Speed 3. Un bus bourré d'idées à la con, lancé à moins de 30 km/h sur des routes de campagne. Cet affrontement, je l'ai provoqué. Pour qu'il soit décidé une bonne fois pour toutes, qui contrôlera ce pays? Nous ou Kouimol et ses copains? Je vais vous venger, Monsieur Balladur. Tiens, monsieur cette petite crotte de Sarkozy. Je suis Chirac, tu me remets? Tout ce que tu vois ici m'appartient. Les escrocs, les pickpockets, la vermine, tout ce qu'ils volent me revient. On va pas se laisser faire par ce vieux débris. Non. Tous ensemble, on est plus qu'un gang. On est une armée. Monsieur Chirac, je vous défie dans 5 ans. Défi relevé. J'ai eu couille molle. Maintenant, c'est au tour de petite couille nerveuse. Gangs of RPR, sorti en mai 2007. Maman? Maman, qu'est-ce qu'il fait, le vieux monsieur? Quel vieux monsieur? Celui qui est juste à côté de toi. Je vois des gens qui n'existent plus. Je suis le seul à les voir. Ils ne veulent pas partir. S'il te plaît, fais-les partir. J'y travaille. Madame, c'est difficile à croire, mais voilà, votre fils voit des gens morts politiquement. Madame, je vous parle. Eh oh,
Je vous dis que votre fils voit des gens... J'assume pleinement les responsabilités de cet échec... Oh non ! En me retirant définitivement de la vie politique. Bon allez, c'est l'heure d'aller se coucher. Rentre à la maison, maman. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. J'aimerais rentrer chez vous, en fait, d'avoir une petite discussion. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas vraiment. Vous désirez boire quelque chose, Nicolas? Je veux bien. Vous avez quoi? On a que du lait. Très bien. J'adore le lait. Maman, sers un verre de lait, monsieur. Excellent. Ça ne vous ennuie pas si on a une conversation un petit peu plus privée? Ben non, bien sûr. Maman, laisse-nous, s'il te plaît. Bien. C'est pourquoi je suis là, Jacques. Ouais, écoutez, non, Nicolas, j'avoue que j'en sais trop rien. Vous voulez dissoudre l'Assemblée? Vous avez besoin d'un conseil? Non, non. Ah, je vois pas, alors. Bon, vous me connaissez, je vous aime beaucoup, hein. Nous avons été adversaires, je ne vous en veux pas. D'ailleurs, je vous respecte. Mais vous cachez un homme, un ennemi, un traître, et ça, je ne peux pas le laisser passer. Mais je ne cache personne, Nicolas, je le jure. C'est bien dommage, car vous savez que je suis reconnaissant avec les gens qui m'aident. Ceux qui me rendent service, je les oublie pas. Moi, je n'ai rien à dire, on ne peut pas m'acheter. Ah! Il est sous le plancher, juste là. Tu marches dessus, là. Là, je te dis. Mais... Jacques, enfin! Non! Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi! Allez, désolé, Dominique, mais c'est un hectare entier. Mais... Allez, on procède avec la stream et que ça saute. Je suis Premier ministre! Lâchez-moi! Maman, je te jure, il m'a torturé! J'étais obligé de tout dire! Ben c'est sympa de se retrouver tous ensemble, en dehors d'une réunion officielle. On va pouvoir enfin discuter tranquillement, sans passion. Oui, tout le monde est là, oui. Enfin, sauf ta femme. Bon, elle doit être en campagne. Non, je sais même pas où elle est. Ben, c'est bien ça le problème, t'arrives pas à la tenir. Mais si tu sais pas où elle est, alors qui garde les gosses? Ah, ça oui Ségolène.
voilà ce qui arrive à ceux qui savent pas tenir leur parti. Allez, file. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. There's a blade by the